Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui s'intitule Le pardon. Ce livre a été écrit par Marie-Agnès Gaudra et illustré par Charlotte Roederer. Quand on a un frère, un ami, un vrai, on a envie de se lever tôt pour jouer avec lui. Le toucher, lui parler, lui raconter tout ce qu'on a dans la tête. Quand on a un frère ou un ami, un vrai, on a envie de lui confier nos secrets, de lui montrer tout ce qu'on sait, de partager avec lui ce qu'on est. Mais s'il nous fait de la peine, ou pire, s'il nous fait du mal, c'est comme si un fossé se creusait entre nous et on se retrouve séparés, chacun de son côté. On peut rester comme ça, fâché, continuer longtemps à bouder. On peut ne plus lui faire confiance ou même penser à une vengeance. Mais alors, fini les bons moments que l'on passait ensemble. On se prive de ce frère, de cet ami, et au fond, on est aussi puni que lui. Pardonner, ce n'est pas s'écraser en faisant comme si rien ne s'était passé. Le pardon, c'est comme un pont pour se rejoindre au-dessus du fossé qui s'est creusé. Quand on s'est pardonné, qu'on est vraiment réconcilié, alors on peut recommencer à se donner tout ce qu'on a à se donner. Jésus a dit, si ton frère te fait du mal, fais-lui des reproches. Et s'il regrette, pardonne-lui. Et si 7 fois dans la journée il te fait du mal et que 7 fois il regrette, 7 fois tu lui pardonneras. Merci les enfants de m'avoir écouté. À bientôt.